Monsieur le Premier ministre, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Directeur général de la Police nationale, mes chers frères parlementaires, les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs, les membres de la presse parlée, écrite et télévisée, nous tous connaissons que nous avons quitté le pays hier. Et nous sommes dans l'obligation de demander l'ambassade d'Haïti en France pour rapidement travailler pour annuler la rencontre que nous avons gagnée dans lundi matin. Parce que nous avons rencontré le directeur général UNESCO, le directeur général francophonie et avec le directeur général de l'Agence française de développement. Nous annuler la rencontre parce que jusqu'à lundi matin, tant n'a pas permettre l'avion volé pour aller à Paris. C'est en train que nous avons quitté Londres, nous sommes entrés à Paris et rapidement l'un dérivé, c'était dans la rencontre président Macron que nous avons gagné pour nous aller. C'est tout droit. C'est là que nous allons pour nous parler de coopération entre deux pays, coopération entre la France et Haïti. Nous avons parlé, moi-même avec le président, dans tête à tête que nous avons gagné, sous bonne gouvernance, expérience la France dans la lutte contre la corruption. D'ailleurs, il faut nous dire que nous avons un accord de principe que nous avons signé avec l'expertise de France. Même j'en ai dans le niveau fonction publique aujourd'hui. Banque mondiale a bas en coup de main sous épuration système base de données ministère finance. Nous avons travaillé avec eux pour nous signer un accord de principe pour nous voir comment nous avons un coup de main dans la coopération bilatérale qui permet que le travail ça en a fait. J'en ai toujours dit, la lutte contre la corruption, son prévention que lié d'abord. Ce n'est pas Jean Grand Mounzien, ce n'est pas le couleuvre la fin de passer pour suivre Trasli, mais il faut qu'on travaille pour que l'agent de l'État, qui a été dans la caisse de l'État, l'agent de l'État qui parle pour faire travail pour un monde, l'agent de l'État qui parle pour faire travail pour un groupe monde, pour l'agent de l'État, ça a pour le travail pour la collectivité. Nous avons parlé sous les affaires de coopération entre la France et Haïti. Le président Macron fait me connaître que il y a 30 millions d'euros qui gagnent dans le fonds vert là, que AFD, Agence française de développement, paraît pour venir travailler pour faire projet en Haïti sous affaire protection ou bien correction traitement bassin versant. Mais moi-même, moi, j'étais clair avec lui pour me dire 30 millions d'euros sans pile quoi. Pour ça, nous commençons à faire dans l'environnement. Parce que 10 centres germoplastes que nous avons installés dans le pays, le premier centre qui vient d'être inauguré dans le Campérien, 10 centres ça n'a pas coûté 30 millions de dollars. Ayo 10. Et chaque centre ça a des capacités pour produire 4 500 000 bibois. Et l'homme a parlé de projet ça avec lui, il a dit que dans le curriculum de l'école, à partir de septembre 2018, là, grand matière que nous allons mettre dans le canet Mounio qui est le reboisement, pour tout le monde l'école, il y a l'obligation de planter pieds bois. Et pour ça arriver fait, nous avons besoin d'un système informatique, un logiciel qui est capable, à travers CNIGS, qui est le Centre national d'investigation géospatiale, contrôler le territoire national là, sous chaque mètre carré, pour chaque pied bois qui est planté, pour nous connaître qui est le monde. Qui type pied bois et qui bois que vous plantez pied bois ça. Pour ça fait, nous avons un gros problème. Nous avons un problème de capacité nous dans la communication. C'est ça, vous la quantité de bonnes passantes qui puissance Internet que nous avons dans le pays. Ça, c'est l'autre débat. Je vais dire le tout. Je suis très intéressé pour nous travailler sur ça, pour garder comment nous améliorer le service Internet. Là, gens ça fait dans tout le pays. Côté caille voisin, même sous ou monte un taxi,
ou joindre Internet au débit pour faire tout le travail qu'on a besoin de faire. Discussion te continue. Nous te parlé sous affaire service civique obligatoire. Dans le pays de la France, c'est l'armée qui est responsable de ça. Nous avons tout profité de parler avec le président Macron sur le rétablissement de la mer 18 novembre dernier. Et lui dit qu'il y a une possibilité pour une coopération entre la France et Haïti sur ça pour le service civique obligatoire là. Avec des jeunes garçons et jeunes filles qui n'ont pas eu, il y a 18 ans, c'est ça la loi dit, c'est pas moi qui dis, c'est la constitution qui dit, pour aller faire service civique obligatoire, leur gros problème, leur gros catastrophe naturelle, c'est nous tous ensemble qui pour camper, même ou rien doit vouloir camper, mais on n'a pas de connaissance. Maintenant, il y a de l'école qu'en France, eux-mêmes, ils travaillent avec l'armée française pour former les gens dans ce sens ça. Et c'est ça que fait. Moi, mandé pour que le ministre de la Défense, là, parle avec le directeur cabinet depuis à Paris, pour le ministre de la Défense, là, avant fin mois décembre, là, pour être capable d'organiser une visite avec protection civile pour aller voir l'école, pour aller fouiller, j'ai regardé sur l'école que vous avez, comment vous fonctionnez. Vous croyez l'école tout pour nous, l'école Guadeloupe tout, pour aller regarder pour comment vous fonctionnez et comment un partenariat avec la France, là. Dans le programme bilatéral à travers l'Agence française de développement, comment nous-mêmes pour nous être capables de mettre on l'école comme ça sous pied tout de suite. Dans la soirée, moi j'ai une grosse rencontre parce que nous avons une grosse délégation que nous voyageons avec lui, qui a 12 personnes secteur privé à la donne. La donne, moi j'ai un monde dans le sud, par exemple, c'est propriétaire jardin botanique sud là. Qui est ensemble avec nous, je voulais parler de agronome cinéac. Nous avons gagné 3 personnes dans le secteur privé qui n'a fait énergie. Ça veut dire que je parle de personnes qui produisent courant ici pour vendre l'État. Ni un représentant IPAWE, un représentant ITRAC et un représentant SOGENET ensemble avec nous. Ensuite, nous avons gagné 2 entrepreneurs dans le Nord. Yon qui nous a fait l'hôtel. Avec matériaux de construction, on l'autre qui est dans la distribution de produits pétroliers. Et pour la zone la Tibonite, nous avons un entrepreneur qui lui-même, dans le programme côté de travail pour faire du riz, vin, un produit qui a monté, qui pour le en tête cana, pour le bagne doit monter sous table, du riz dans la vallée la Tibonite, là, pour du riz qui a bien représenté, pour le cas d'un bon genre sac, belle bagaille, nous travail pour que gagner 12 usines qui montaient dans la vallée la Tibonite là, pendant 2 années qui venir là. Je voulais parler de 2018-2019. Mais première usine, là, pour nous dire, inauguration la fête premier trimestre 2018 là, entrepreneur ça, c'est M. Charles Jumel qui est ensemble avec nous. Les mêmes les usines qui prennent du riz, depuis du riz en paille, les padis, pour le mettre dans ses choix, ça n'a pas marché avec gaz, les marché avec paille du riz, les marché avec biomasse. Pour le sécher du riz, ensuite pour le mouler, j'en ça doit faire pour nous respecter le pourcentage du riz crasé gagné. Le ça, on a connu exactement sur sa classe, si c'est 3%, si c'est 2%, si c'est 4%. Entrepreneur, ça, ensemble avec nous tous. Et nous avons rencontré entrepreneurs français dans MEDEF. MEDEF, là, c'est le mouvement des grandes entreprises de France. Son association qui regroupait toutes les grosses entreprises. Dans le pays la France. Adam, nous avons rencontré des gens tant que vice-président Ruby, qui est entreprise qui a acheté Dinasa, qui distribue gaz dans le pays d'Haïti. Nous avons rencontré des gens à l'aéroport de Paris. Nous avons rencontré une compagnie, une entreprise qui est spécialisée dans le téléphérique, parce que nous avons aimé fêter 200 ans l'an mort. D'abord, je vais commémorer 200 ans de la mort du roi Henri Ier. Je vais parler en 2020 avec une citadelle côté moun qui a sorti en bas Milo pour monter dans le téléphérique pour aller à la citadelle. Son programme qui est ambitieux, mais nous rencontrons une compagnie, entreprise qui travaille
dans Colombie, dans zone Medellin, c'est lui-même qui fait tout le travail ça. Actuellement, il travaille en République dominicaine sur un téléphérique et il a une capacité pour construire des téléphériques qui ont porté plus passer 2000 personnes là, avec dit chaque temps pour le transporter 2000 personnes. Et moi j'ai bien saisi pour moi, j'étais un fond plein sur transport urbain dans Port-au-Prince. Avait dit il y a tout plan de masse Port-au-Prince là côté ou qu'après mon route frère pour mener et dans zone parc industriel aéroport ou qu'après mon dans zone Pétionville pour mener en bas la ville li moi on plan de masse que ou même que ou gagne sauf que nous connaît l'a demandé en pile l'argent pour un travail qu'on ça fait et l'autre entreprise que nous te gagne chance font tête à tête avec yo son entreprise les mêmes qui spécialisent dans affaires by corp pour financement projet privé en concession. Ça veut dire si l'État décide par exemple faire téléphérique ça, il y a des entrepreneurs haïtiens qui décident pour participer avec l'État. C'est ça où il est en société anonyme mix ou bien société privée a décidé de faire net et puis là prend 25 ans pour l'exploiter ensuite là vient pour l'État après 25 ans. Gros en société financière que nous rencontrons avec lui, qui paraît lui-même pour faire genre de financement ça, pour vider l'argent dans le secteur privé, a un taux d'intérêt qui permet de travailler ça, de fait. Entrepreneurs haïtiens, ils ont parlé d'énergie en pile avec M. Medef. Mais ça, je comprends en Europe aujourd'hui, ni rencontre que je me fait dans Medef, et ni on rencontre, on va parler nous de lui tout, non. Sommet One Planet là, gon tendance dans le monde là pour sortir dans l'énergie fossile. Avait dit des mondes qui produit courant à gaz à mazout, ça veut dire à base de pétrole. Tout le monde gonya c'est vers énergie verte que on parle et n'a parlé de gros centrales, c'est pas petit centrales. Par exemple Haïti besoin un bon exemple 850 mégawatts en tout pour le pays à 24 sur 24. Dans sommet One Planet là que on parle avec nous de ça. Il y a un grand pays qui dit la petite augmentation tout petit de 3000 MW pour l'année 2018 là dans l'énergie solaire. Une petite augmentation tout petit 3000 MW. Ça veut dire presque 3 fois et demi que ça nous même nous besoin pour tout pays. C'est pour montrer nous comment que vitesse dans affaire technologie sur énergie renouvelable là débrave vite. Mardi 12 bonheur dans matin moi te on visite dans Office international de l'eau. Qui ça qui est Office international de l'eau en France? C'est même j'attends cours dans agenda législatif là. On est bien content. Parlementaire là et je dis à moi dili, moi t'ai dit ça tout pendant ma parler avec président que la 50e législature c'est une législature qui plus prolifique que pays a, qui plus productif que pays a connaît parce que dans 7 mois, 50e législature a voté 40 lois. Et on a regardé dans l'histoire, pendant l'autre 49 législatures, pour nous combien de lois ou chaque été voté pendant une législature de 4 ans. Mais là, sous 7 mois, nous avons gagné 40 lois votées et promulguées. C'est un coup, loi sous 3 chiffres, FNE et la TVA. Maintenant, nous avons parlé de un gros causé dans l'affaire gestion de loi. Il y a un institut que nous bientôt dans agenda législatif que nous allons présenter parlement d'ici mois janvier qui va venir là nous gagnons c'est ça l'INARI Institut National des Ressources Hydriques nous même nous avons réfléchi pour nous mettre le sous pied son gens pour nous tout l'eau qui vient dans le pays que l'irrelé de l'eau de surface que l'irrelé de l'eau souterrain pour qu'on seule entité qui a géré Glossal. Et pourtant, nous-mêmes nous réfléchissons à Kounia, mais en France, depuis 50 dernières années, il y a eu un temps, il y a eu un institut ça même. C'est l'Office international de l'eau. Mais ça qui te fait plus saisir, c'est que moi, je joins une étude que l'Office ça a fait pour nous. 3000 pages de 2007 à 2017, il y a étudié toute l'ONU honnête. Pendant ce temps-là, moi-même, je suis réuni dans le palais. Ça a été un mois, je demande un document sur un plan national d'adduction d'eau potable.
Et pourtant, il y a 3000 pages de documents que entre coopération, en pile quoi dépenser dans 10 ans, pour nous comprendre. En pile l'argent, 3000 pages de documents qu'il a, et d'après ça, expert que j'ai rencontré à Dim, dit n'est pas un document ça. Alors, je profite pour me dire que je pense que dans 3000 pages, ça, nous n'avons pas même besoin, peut-être 100 pages, pour nous joindre un plan national d'addiction de potable, parce que tout pays, par exemple, dans le département, NIP, sont du baril en l'air, la ville de Miragouane, la ville de Petite Rivière de Nip, la ville de Savo, la ville de Petit Trou, pas de l'eau monde. Et puis, sont du baril, ils ont capacité 20 fois plus de l'eau pour alimenter 4 villes. Et puis, sont du baril en l'air, ils ont même en bas, chaque temps, ils ont besoin d'un goût de l'eau, c'est pour faire combien de kilomètres marcher à pied pour rejoindre. Je pense que, en 3000 pages, ça, et bien content, ministère public, il est là ensemble avec nous. Et directeur d'INEPA, qui attend de nous, il y a Valga de Bouessio, il y a 100 pages pour le peuple, là, pour nous joindre 100 pages là, pour nous mettre de l'eau, pour tout le monde nous joindre, même j'en dis, il était 20 mois pour courant, je ne pas courir, dire combien de mois je me pour de l'eau, mais je t'ai aimé comprendre 3000 pages là, pour me dire combien je me pour mettre de l'eau dans le pays, 24 sur 24, tout, même j'en, dans 20 mois. A bien couru dans le pays à 24 sur 24. Et pour même mardi 12 ans, après nous sortir dans la rencontre, ça, nous sommes allés dans le gros causé. C'est le sommet One Planet. Son sommet qui a gagné 126 chefs d'État et de gouvernement. Son gros affaire. Moi-même, m'a dit, l'homme d'a quitté Haïti, moi t'ai dit, ministre des Affaires étrangères, là, ministre, ça fait quatrième sommet. Pour qui ça, c'est pas où caler? Il dit, président, je pensais que c'était un bon bagage pour vous-même pour aller dans le sommet, parce que le président français a déterminé pour gagner l'argent qui sortit dans le hasard pour le changement climatique. Faut me dire, je suis impressionné. C'est ça que fait me faire une grosse intervention dans le sommet, à tout, pour me faire un problème par Haïti. Et problème pas Caraïbes là, parce que c'est pas nous qui émetteurs de gaz à effet de serre. Gaz que nous émettions nul. Et voilà-t-il, c'est nous-mêmes dans Caraïbes là qui avons subi tout effet changement climatique. Longtemps, cyclone, c'est qu'on passe chaque 15 ans, chaque 20 ans dans le pays. Aujourd'hui, c'est chaque année nous avons un cyclone en Haïti. Ça veut dire, nous avons une situation pour problème changement climatique, nous prenons au sérieux. De 2004 à aujourd'hui, cyclone Jean Crasé, Gonaïve Nep, Manou. 2008, cyclone Anna Gustave Faye, Crasé, Gonaïve Manou. 2012, cyclone Sandy. 2016, là, nous sommes tous les dégâts que Mathieu fait. Mathieu qui était 2,7 milliards de dollars dégâts pour nous. Et assurance que nous devons. Compagnie d'assurance qui assure le pays d'Haïti dans les affaires cyclones, il y a 23 millions de dollars. Ça veut dire, il y a même 1% dans les dégâts qui sont faits dans le pays. Je te prends la parole pour me demander, même si nous parlons de One Planet en France, il faut nous commencer à parler de One Caribbean. Et l'heure Haïti pour aller prendre tête, pour prendre présidence CARICOM. À partir du mois de janvier 2018, non? Nous pourrons organiser un sommet spécial sur ça. Pour que tout pays qui est dans le CARICOM, non? Pour ne pas dire tout pays dans le Caraïbe, là, nous mettons nous ensemble, même si c'est territoire d'outre-mer, français, nous voulons parler de Guadeloupe, Martinique, nous mettons tête nous ensemble pour que nous payions une seule prime assurance et là, un pays qui a des dégâts qui vivent la donne, le Sahara. Prime la proportionnelle à dégâts. T'as coup, avant hier, il m'a pas crasé Haïti. Nous avons pris quelques inondations dans la zone nord-est, dans la zone nord. Mais nous d'accord que il m'a crasé il tue, il crasé Porto Rico, il crasé Antigua et Barbuda net. La Dominique, tout le monde prend la frappe. Mais si nous avons une assurance, une prime d'assurance qui pour toute Caraïbe là, l'on cas qu'on s'arrive, pays ça le Sahara, assurance ça, tape couvrir des gars qui fait.
même genre, si c'est nous-mêmes qu'on y a qui des dégâts qui fait bon la caille pas nous, assurance là a couvrir bon la caille pas nous. C'est pour ça nous te fait intervention et après intervention fondi président Macron là t'a conclu li parler de 3 milliards de dollars que Caraïbes là pour aller gagner disponible dans fond ça que yo plaider pour mettre sous pied. C'est un fond rapide que chaque monde qui vient vous dit combien qu'on va mettre. C'est un coup. États-Unis, tu as une série de gros autobrés dans le secteur privé. C'est un coup, Michael Bloomberg, tu as un monsieur qui est Virgin Atlantique là. Nous, c'est Richard Branson. Tu as un Arnold Schwarzenegger qui était là. Et tu as un Bill Gates qui était là et gouverneur Colorado. Monsieur, je m'a parlé de gros monsieur secteur privé ça yo, plus gouverneur Colorado a, monsieur yo promet gros l'argent pour mettre dans fond ça qui pour permettre bataille faite contre changement climatique là. Mais ça qui attire attention c'est que yo même tout parler à cap fait nous même comme petit pays nous t'a parlé de résilience là. Par exemple Haïti gagne plus passé 60 villes côtières. Il y a des villes qui, parce que si nous ne prenons pas précaution, elles disparaissent. Par exemple, une ville, en Safolè, dans le nord-ouest, il faut qu'il y ait des travaux qui fait pour nous protéger le bord de mer. La côte du sud, pour nous sortir Tiburon, pour arriver presque juste à Quin. Il y a pile de travail qui peut faire dans le littoral. Et c'est des travaux qui ont coûté comme. Mais, dans ce sommet, monsieur a plus parlé des affaires énergie renouvelable. Et, mais si mon leçon, pour me comprendre que je dis, il y a une énergie renouvelable. Ça a 6 mois de ça. Il était coûté 3 dollars, parce que je prends exemple les IWA. Les IWA commencent à construire, qui sont 10 centrales solaires et éoliennes, avec stockage de batterie. Il coûtait 3 dollars 15. Mais je dis, monsieur a parlé d'un dollar 50 par watt. Ça veut dire, on a parlé de 150 millions de dollars pour 100 mégawatts. On dit un côté tant pour Port-au-Prince qui besoin 600 mégawatts, n'a pas parlé de 900 millions de dollars d'investissement si vous voulez pas servir à gaz du tout. Vous voulez servir, je vous dis, avec un système qui est éolien, soleil et puis avec une banque de batterie qui cap. Mais nous parlons de banque de batterie sérieux, batterie lithium, qu'on a descendu jusqu'à 70 à 80%. Monsieur, yo, prix, yo à 1,50$. Et c'est ça qui t'attire l'attention. Et c'est ça que fait, à partir de sommaire, on était pour une rencontre rapide avec M. Sao, qui fournisseur d'électricité dans le pays, pour me dire, retenez 20 mois, il y a une chance, parce qu'il y a un appel à la manifestation d'intérêt pour le sortir, pour tout le monde, parce que ce n'est pas moi qui dis, c'est trois décrets qui te prennent sous l'administration président Matelia, qui démocratisait l'électricité en Haïti. Et application des décrets, nous nommer directeur général ANACEA. Depuis mois novembre, jodia n'importe qui moun qui a décidé ou dit ou vinn produire courant ou distribuer ou vendre ou toucher kobou ou payer l'état taxi. Ça veut dire tout le monde. Et n'a pas lancé un appel à manifestation d'intérêt à partir de fin mois décembre là pour moun ka vinn faire off power sous critère l'état pour faire off power sous production, distribution et commercialisation entre nos pays. Parce que j'en ai dit là peuple là, faut le vendre service, peuple là, faut le vendre courant, et retenons 20 mois pour nous mettre courant 24 sur 24 en pays d'Haïti. Et après, nous sortis dans le sommet, dans la soirée, nous te faisons rencontre à 8h du soir qui finit jusqu'à 11h45 avec la communauté haïtienne. Ça t'attire attention plus. Ces gens moi que haïtiens qui a vivre l'autre bord de l'eau pas quoi dans institution pays plus particulièrement dans la justice pays moi quoi que il y a pile effort qui pour faire et c'est effort ça nous commencer faire pour nous renforcer institution mais ça te fait me plaisir tout bon monde qui te parlé les dit que pour qui ça en dans la police inspection générale dans la justice par l'inspection générale. Ça t'attire l'attention. Et c'est ça que fait
Là, je suis descendu avion là, je fais un petit cause avec le directeur général de la police là, pour me comprendre les sanctions dans le niveau de la police. Comment le système dans le marché qui fait qu'il y a une discipline ça, un policier pas qu'à camper pour le garder dans les yeux, pour le râler, pour le ballon soufflette, ni pour le râler aux âmes, pour le tirer, parce que il y a une discipline, il y a l'ordre dans la police là. Et là, je me pose une question. Il était très gêné, comme le garant de la bonne marche des institutions, pas de cas répondre. Pour aider des aveux que le fait, sous des problèmes que le gagné qui vivait ici dans la justice. C'est pour ça, nous prenons une grosse décision pour nous faire une grosse rencontre au plus haut niveau de l'État, pour trois pouvoirs au Chita, pour nous discuter sur ça, début semaine prochaine, pour nous joindre en route pour que le pays a. Cagé justice, tout bon vrai, parce que comme dit la Bible, la justice élève une nation, mais l'injustice est le propre des peuples. Peuple là, s'il demande justice, il faut nous battre justice. Mercredi 13, nous jambé, nous quitter la France, nous aller Belgique. Non, matin, nous rencontrer avec Chambre de commerce Belgique. Là. Chambre de commerce là, presque tout membre de la Chambre de commerce belge qu'on a dit. Tout. Bon, il y a un même qui a mon problème parce que là, même qu'on a récité pays, je ne peux pas parler de lui. Monsieur dit que monsieur a 10 mines, ça veut dire 10 gisements de ciment qui sont en Haïti. Monsieur dit que Haïti, c'est un pays qui a plus bon carbonate de calcium pour faire ciment, plus bon matière première. Malheureusement, combien de ciment nous avons ici? Zéro. Bon, son choix. Je vous dis, là, moi connais un entrepreneur haïtien qui chita, parler avec un entrepreneur Sao, il y a un gros espoir pour que l'entrepreneur Sao descende en Haïti parce que la Belgique, son pays semble avec nous en pile. Nous avons même devise, l'Union fait la force. Nous avons même territoire presque. Nous avons 27 750 km², pas quoi, nous avons même plus que ça. Et population, 11 millions d'habitants presque même là avec nous. Et moi, ouais. Position en Europe, c'est 11e pays qui a fait exportation sur la terre. Et moi, c'est 5e en Europe. Ce n'est pas extraordinaire pour un petit pays comme ça. Ils ont même mis tête ensemble et mis côté tête ensemble dans l'arrivée. J'ai eu la chance de rencontrer avec M. Rudy Desmottes, qui lui-même devient ici, qui est président, parce que Belgique, Gonjan, ils vivent. Je crois que et son République fédérale que lui, même là avec les États-Unis, avait dit monsieur c'est président et ministre d'un parti qui veut laisser au Wallonie je crois. Maintenant lui-même m'est allé visiter un barrage. L'homme arrivé directeur général barrage, il dit me visiter Haïti 10 fois déjà. Et barrage ça qui construit dans les années 50 t'es inspiré de barrage Pélé. Barrage ça actuellement bail 140 MW. Je recevoir près de 800 000 touristes chaque année. Ministre touriste sous lac là qui yo fait voile sous lui, restaurant, créer une histoire sous lac là. Et qui lac s'il vous plaît? Yo un lac artificiel. Yo un petit rivière qui fait un premier lac et puis pomper de l'eau à notre rivière aller dans l'autre lac artificiel de 50 millions de mètres cubes. C'est à partir de lac 50 millions de mètres cubes que vous produisez 140 MW de courant pour bailler la caillou lumière. Et nous-mêmes, nous avons 400 millions de mètres cubes. Nous avons capacité pour nous faire 4 autres centrales encore avec plusieurs réservoirs sous lui. Mais depuis estimé, président estimé pour vivre aujourd'hui, 71 ans après, pas jamais mon monde qui réfléchit, qui te dit que faut nous développer Pélig là, il faut nous faire l'autre réservoir, l'autre barrage dans le pays. C'est pour ça nous-mêmes, nous commençons le barrage Marion, l'excavation a commencé en janvier, on a invité Pressa, qui a regardé parce qu'on y a petite là-bas le saut. Quand on connaît l'OAP, font un gros travail comme ça, c'est fondation, nous avons presque un an dans le barrage là, laboratoire national avec un peu d'expérience étrangère a fait étude. Mais c'est à partir du mois de janvier, on a commencé à faire le premier coup de pelle pour nous faire, après 71 ans,
un barrage qui va avoir une capacité de 20 millions de mètres cubes d'eau, et puis pour nous continuer à faire barrage sur tout le pays à net. Rêve nous, c'est à quitter plus passer 30 barrages dans le pays. Mais nous n'avons pas de temps. Mais nous avons mis créer conditions pour le président de venir, qu'à continuer, pour le même problème, le président estimé à pas arriver, pour ces 71 ans après, pour nous venir faire un barrage dans le pays. Et, quand pile discussion qui était faite, sous coopération entre Belgique et Haïti, sous affaire technologie. En pile discussion, parce que eux-mêmes, ils sont très loin. Moi, je travaille sur un plan de développement territorial pour le pays. Parce que si pour nous parler de après l'État généraux, nous voulons travailler sur un plan sur 25 ans, il faut que nous ayons un plan de développement territorial. Pour nous connaître chaque mètre carré pays, hein, qui ça qu'a fait la donne. Si là c'est qu'il pour faire, si là c'est jardin, si là c'est pour touristes, si là c'est pour industrie. Plan ça, nous pas rien. Mais quand on a posé cette question, est-ce que nous gardons nous pas rien? Parce que là nous sortis, ouais, 3000 pages ça pour dîner pas, faut nous t'affouer en pile. C'est ça que fait. M'a dit premier ministre, dans niveau ministère planification, niveau ministère agriculture, ministère travaux publics, pour qu'a commencer fouiller pour le volume document gagné yo, mettez des jeunes pour nous qui ça gagne dans pays a comme document ouvert ti yo. Pour nous si ce n'est pas des documents que nous avons gagnés, qui sont écrits déjà. Dans Assoué, dans Belgique, je suis rencontré avec la communauté haïtienne. Je parle de mercredi 13. Mais ça qui a attiré l'attention, il y a plus blanc que noir en dedans. Ça veut dire que son communauté qui est intégrée, il y a peut-être, si il y a 300 personnes en dedans, il y a peut-être 80 haïtiens, il y a 220 étrangers. Ça veut dire étrangers, il est venu. Et nous avons fait presque 2 heures d'ensemble, puis nous avons posé des questions tout, et c'est même bagarre là, moi, problème de justice. Il y a moins, je garantis que nous parlons de travail pour que Jean, gens, ça a commencé dans le niveau exécutif, dans le niveau législatif, là, créer symbiose ça. Parce que c'est le peuple qui a voté nous, il a voté nous pour nous faire un accord, il a voté nous pour nous travailler ensemble pour nous faire des résultats pour lui. Je garantis, tournez, nous sommes ensemble pour nous travailler. Pour problème ça, pour nous résoudre. Jeudi 14, grand matin, nous avons rencontré avec BEI, c'est Banque Européenne d'Investissement. Discussion, t'es poté sur un COB, depuis monté président, 50 millions d'euros, maintenant de l'agence à l'agence, même Maram Gawel. 25 millions qui a prêté nous, à un taux concessionnel, ça veut dire moins que 2% là. Et 25 millions qui a fait nous cadeau. Discussion déportée, nous avons une décision, moins 10 BEI, avec caravane nous avons lancé sur 10 départements pays, 7 février 2018 là, comme ça, nous avons besoin de la route encore. Nous avons mettre le pont, seulement. Parce que, le plus gros problème nous avons dans la construction de route, nous avons faire, c'est pont. Et nous disons tout, nous avons besoin de pont. Cher, ben nous pour métallique, parce que dernier rapport regardé sous Banque mondiale, on met linéaire pont, qui pont en béton, il coûte 30 000 dollars. On met linéaire pont métallique là, coûte 14 000 dollars. Ça veut dire moins que la moitié. Ça veut dire avec 50 millions d'euros, on a presque un pont sur toute route, nous besoin de faire dans le pays. On est, monsieur Kabiva en province de là, c'est un sentier, il y a des ponts, et ponts métalliques, ils durent en pile. C'est des ponts. Moi-même, je connais des ponts depuis un petit monde qui là, qui jusqu'à présent, par exemple, pont sur la ravine du Sud, son pont métallique lié. Ça veut dire que c'est des ponts qui durent et qui n'ont pas de problème. C'est pour ça que nous faisons choix ça, un choix économique qui peut permettre que 50 millions d'euros ça, qu'on nous en pile pont. Mais nous avons bien pour nous faire une réunion sur ça pour que nous, définitivement, à travers le ministère des Travaux publics, pour que ces ponts métalliques soient priorisés dans le pays d'Haïti. Et, il y a une demande que je défends encore, parce que nous connaissons dans la vallée de la Tibonite, il y a 32 000 hectares aujourd'hui qui sont sous de l'eau, avec des de l'eau qui a brousé, mais il y a 18 000 hectares crétés. Et nous travaillons pour continuer le système d'irrigation sur l'autre 18 000 hectares, pour nous arriver à mettre 50 000 hectares brousés dans la vallée pendant le mandat. Mais l'offre de 50 000 hectares, il faut que vous gagnez
capacité, Jean nous soutenons, nous soutenons parler de M. Jumel, qui est même une usine de décortiquage, ça, pour nous créer d'autres usines dans la vallée. Pour 50 000 hectares, on a besoin de 100 usines, parce que chaque 500 hectares, on est obligé de gagner une unité de transformation sous l'île. Et c'est pour ça que nous commençons avec bloc de production. Nous créons des coopératives en Valéa, qu'on y a chaque coopérative, ça, y a 500 hectares. Terre arrêtée pour monde. Coopérative, là, il y a une terre qui pour venir pour personne. Non, terre arrêtée pour. Mais tout paysan, tout agriculteur, met tête ensemble. Et puis, y a même, qu'on y a l'État venir avec subvention. Par exemple, il y a 12 blocs de production, 12 coopératives qui viennent en créer dans Valéa. L'État va à chaque bloc, yo, distracteur. A distracteur, ça, yo, yo même entre yo, y a géré li, au devait à quoi faire pour réparation, yo même yo un petit tout, j'avais dit, une cotisation pour yo capable de payer opérateur, mais pour acheter tracteur, c'est des tracteurs qui coûtent $19,000 pour déraper, yo pas de comme ça. Et pour ça, l'État décide lui-même, il fait premier pas. Et tout bloc, yo, c'est sous ça nous les vivre. Sous 100 blocs qui viennent pas le créer dans la vallée, n'a mettre une situation pour bailler chaque bloc distracteur et pour subventionner un grain pour subventionner semence pour eux. Le ça, les au fin récolter du riz, il a pas aller dans entreprise là pour vendre du riz en paille et c'est entreprise ça qui a gagné pour faire transformation pour mettre le dans sac. C'est comme ça lié dans tout pays. Tout côté qui produit du riz, c'est comme ça le fait. En Haïti, nous avons un congé spécial. Alors, on a mis les au standard qui pour permettre que durer nous, même j'en ai eu sous Venezuela, ça a deux ou trois semaines, moi j'ai négocié pour que nous commencions à payer dette Venezuela avec manger. Nous signons, on a pour ça, mais si nous commençons à une production en forme, nous sommes capables de commencer à acheter manger haïtien pour nous voir aller Venezuela pour payer l'argent. Mais pour le faire, il n'y a pas qu'à faire, c'est un coup de jour, il a battu du à la main, et puis ensuite, il a bouillé, et puis il a séché le zon glacé, c'est pas comme ça que vous le faites. C'est pour ça, dans le BEIA, nous travaillons avec le vice-président Banklan pour nous dire comment l'État a mis disponible pour nous 500 millions de dollars de fonds de garantie, qui, de 500 millions d'euros de fonds de garantie qui pour permettre à Mounzaïo de jouer une possibilité pour prêter à un taux d'intérêt qui va dépasser 6% en goudes et puis son un temps fixe 10 ans. Ça veut dire monde qui décide d'investir dans l'agro-industrie dans le pays. Forme de réponse favorable, mais montant, M. Potko, veut répondre nous au montant. Je dis, bon, mon montant quand même, pour me faire déclaration, même si c'est 33 bon, pour nous déraper, mais je dis, Potko veut, bon, nous montant, mais sous principe là, d'accord, qui pour permettre que nous mettions un fonds de garantie à travers FDI, à travers banque privée, à travers n'importe qui banque, qui permet que un entrepreneur qui a un projet, et projet, il faut nous dire ça bien, à travers le ministère de l'Agriculture, nous prenons bas priorité. Ce n'est pas mon nom qui a dit, bon, nous faisons un projet, et puis ces transformations, là-bas, on fait, ou on ne va pas jouer comme prêter dans ça. C'est le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, qui peut choisir qui filière en dans le secteur agricole là qui prioritaire qui pour permettre qui dit mes filières qui prioritaire et c'est dans filière ça yo que transformation yo pas prêter l'argent dans fond ça pour le faire et pour me dire nous vice-président la rentrer Port-au-Prince demain moi invitation pour manger avec lui parce que et c'est sur ça seulement pas parler faut qu'on en vente qui d'Haïti combien cob la pied pour fonds de garantie parce que moi, qu'on ait crédit, qui ça veut dire pour le secteur agricole là? Jusqu'à présent, dans le portefeuille crédit en Haïti, le secteur agricole là, il y a moins que 1%. Et avec fonds ça, la passe nous carrément 15 à 20% dans le secteur ça. Si n'a pas les de pour nous créer croissance dans le pays, pour nous créer richesse sous région, c'est dans l'agro-industrie, c'est dans la transformation pour nous créer richesse sous région. Et, dernière rencontre que nous avons fait, après, je me définis en rencontre, je me visite le barrage, je me explique nous le barrage déjà. Ensuite, je me rencontre moi-même avec la première dame, le roi Philippe et reine Maltide. Mon yo connaît le pays d'Haïti, le roi reine connaît Haïti en pile. Comme dit nous, reine n'a même parlé de
on l'école que l'a visité, il parlait comment que route là pas trop bon. Ça veut que moi ouais réellement la Belgique et Haïti, ça peut être un pile monde pas connaît gon relation de proximité que je dis, on pense que nous-mêmes nous avons droit exploiter qui pour permettre parce que j'aime dire dans toute mission Haïti pour une destination humanitaire encore. C'est pour une destination assistana. Nous sommes destination d'investissement. Même j'ai une compagnie française, Anessa, achète une compagnie haïtienne pour 300 et quelques millions de dollars. Ça veut dire son pays aujourd'hui, nous parions pour investissement. Nous ne parions pas pour le monde. Nous ne parions pas de pitié encore. Nous voulons l'autre bagaille. Nous voulons investissement. Parce que nous n'avons pas le pays pour gagner un corps qui investit là-dedans. C'est ça que fait. Infrastructure. Nous campons pour mettre l'infrastructure dans le pays, parce que nous-mêmes là, 10 heures du matin, avec costume, je vais quitter l'aéroport avec botte là, je vais le cafou j'offre, parce que nous connaissons, j'aime toujours dire ça, je vais me faire, et je vais le porter 9 super camions, parce que route pas de paix, je vais déclarer, dans le mois d'août, que la fini dans 24 à 30 mois, je vais camper derrière ça, route cafou j'offre, en sa folleur, l'a fini dans 24 à 30 mois à compter de mois d'août 2017 là. Ça veut dire pour ça fait, c'est au jour le jour, il faut contrôler tout ça qu'a fait. Équipement commence à rentrer. Nous parlons avec ces deux camions articulés qui pas de jamais bien machinisé au travaux publics, c'est la première fois. Nous voyons que t'as travaux publics pour aller gagner des équipements comme ça. C'est des machines, on grain voyage 9 camions ça qui a metté qui a retiré des blés sur 1 km et le qui a metté un blé sur 1 km. Ça veut dire pour nous dire nous c'est des camions spéciaux que nous allons débattre sur Capoujof là pour nous comprendre que l'État, qu'on y a, c'est bon, jouet. L'État, c'est sérieux. Nous retirons l'État dans la rue, là, nous mettons l'État au service du peuple. Là. Et après, nous sommes sortis dans le barrage, nous faisons rencontre avec le commissaire européen. Discussion, il était porté sous les affaires support budgétaire. Parce que, pas oublier, dans tout partenaire financier nous l'Union européenne c'est un rare partenaire qui ban nous un support budgétaire direct. Ça veut dire déficit budgétaire que nous avons. Ça veut dire là nous fait budget bon quantité d'argent que nous prévoit pour nous entrer dans le reste ça nous pas entrer là. L'Union européenne c'est un partenaire financier qui lui-même li ban nous un support direct sans pas passer à travers ONG ou bien agence internationale. Et ça, encore, nous avons tout parlé là avec le président Macron en France. Son bataille que nous avons fait, parce que c'est ton choix. Nous avons, de 1994 à aujourd'hui, ça fait 23 ans, depuis notre budget national là, nous n'avons pas besoin de support budgétaire direct. Et nous avons c'est pour ça que nous travaillons pour reddition de comptes, nous avons travaillé pour contrôle, nous avons goûté contre corruption et nous parler de prévention pour faire que ce n'est pas le malheur a fini arriver pour laisser pour nous reler, mais nous battons pour nous, pour l'argent l'État, pour nous capables de gagner, pour faire travail sérieux pour le peuple. Et ça permet le Sahara, les amis nous internationaux, les partenaires nous, pour être capables de financer le budget directement. Nous avons discuté avec le commissaire là sur ça, le commissaire européen, parce que c'est lui-même qui est responsable du portefeuille aide sous pays. Nous avons dit que nous avons une augmentation dans le support budgétaire là, Anessa. Support budgétaire direct là. Parce que avec stratégie caravane, côté ces ministères directement qui intervenu sous région, nous avons besoin de quoi pour acheter bitume, ça veut dire asphalte là. Nous avons besoin d'argent pour acheter ciment. Nous avons besoin de quoi pour acheter gaz. Nous avons besoin d'argent pour payer PDM. Nous avons besoin de quoi pour acheter pièces. C'est ça que nous avons besoin seulement. Après ça, reste là, on a poussé le pays à route, on a poussé le drainage sous toutes quatre crêtes noires. Et c'est pour ça que nous parlons avec le commissaire là comme ça, pour dire, si tu as une possibilité pour nous augmenter d'une manière substantielle, support budgétaire là, direct là, très bon pour nous, la permettre nous, parce que j'en ai soufflé avec le travail. Dans la caravane, non, par exemple, nous avons pris une décision pour inaugurer 6,4 km de route campéenne le 22 décembre. Moi, je connais
Quel ministre Jean Bac Fort pour me dire 22 décembre? Non, mais 22 décembre, ouais, pas ouais, Campérin, n'a pas inauguré 6,4 km de route, ce sera le plus grand boulevard du Grand Sud, 10 mètres de large, 20 cm d'épaisseur, en béton hydraulique, n'a pas inauguré belle lumière sous Campérin. Moun Campérin, qui n'a diaspora, qui a gardé le capitaine de m'la, m'invite nous, et me connaît, gagné tout gouvernement qui presque là, délégation parlementaire qui l'a, au président Chamnon, la police, tout le monde invité, parce que nous avons fait une grosse fête, c'est renaissance ville Campérin, parce que faut nous rebailler espoir sous la région. 22 décembre, nous connaissons que le ministre a travaillé dur, il y a un problème à ce fait qui bloque sous frontière, nous connaissons sorti Kafou Jof pour aller dégager pour aller travailler pour asphalte rivé parce que je dis à 16 faut route là get en fin asphalté parce que et 22 faut nous inaugurer donc on va yo peuple là va attendre pour un ministre c'est peuple là lui même lui ban nous son mandat nous rien nous pas en fonction nous pas là pour tout temps. Il faut mettre en travail en pile pour aller. Et l'autre, ça nous t'est parlé avec le commissaire là encore, nous t'est parlé de route, Hinche, barrière battant en passant par Saint-Raphaël. Parce que y a un gros problème dans la route Saint-Raphaël, barrière battant, il y a affaire de citadelle. Mon bon décision, je tout dit peuple à ça, que route Saint-Raphaël, barrière battant, a passé mon grand. C'est une décision, ça me. Ça veut dire, cette histoire de faire contournement pour y avoir des problèmes environnementaux, pour dire que la route là, pas doit passer en dedans, parc national là, nous-mêmes nous prenons décision devant le commissaire européen, la route là passer mon grand. Et si l'Union européenne, lui-même, a un petit problème de réserve, pendant qu'on va lancer 7 février 2018 là, on a fait un petit rappel. Pour nous rejoindre Saint-Raphaël, parce que eux-mêmes, ils ont commencé à Hinche. Je vais lancer pour faire pose première pierre à Hinche, Saint-Raphaël, là, d'ici mardi ou mercredi prochain. Nous allons lancer les. Jeudi, je crois. Nous allons lancer les parce que route ça, il y a 18 mois pour le faire, qui pour sortir Hinche, pour arriver Saint-Raphaël, asphalté. Nous-mêmes, pendant qu'on va nous lancer 7 février 2018, là, nous allons chercher son gens pour nous poter coller avec lui. Pour nous passer de barrière battant, nous allons joindre sur Saint-Raphaël, on j'en long, nous ne portons pas un jour d'y a, ou ne doit pas passer Gonaïve pour aller au Cap sur Pavlé, ou passer par Mibalet, ou passer par Hèche, et puis ou tomber Saint-Raphaël, ou tomber Dondon, ou tomber Pillon, ou tomber Saint-Raphaël, ou tomber Dondon, ou passer Kafou Kafou Bena, dans Grande Rivière du Nord, ou barrière battant, ou entre au Cap. Avec dit, ces routes ça, les 50 km en moins, par rapport à route Gonaïve là, il y a des mondes qui moins que route Gonaïve là. Mais, nous connaissons l'autre route Gonaïve là, son route département à Thibonite, c'est le central là, ça veut dire la desservie à partir de l'île nord-ouest-nord, mais qu'on a toujours des mondes qui fait. Et, moi t'ai parlé de affaires gaz, bitume, de PDM, ciment, etc. Mais qu'on y a été spécifique avec le commissaire européen et tout, m'a dit comme, parce que monsieur t'a fait éloge comment c'est lui qui plus gros bailleur dans l'affaire route dans le pays qui baille plus comme. M'a dit bon, qu'on y a commissaire, moi on formule pour vous qui plus facile. Comme caravane a lancé 7 février 2018 sur tout le pays, hein, plus gros problème nous, c'est béton bitume mineur. C'est bitume qui plus gros tête chargé que nous. Comme il y a n'importe 10 à 12 compagnies privées, 10 entreprises privées qui fait béton ça en Haïti, moi je dis commissaire, longtemps un kilomètre béton ça c'est 1 million de dollars. Je dis à 100 000, est-ce que nous pas qu'à faire un partenariat pour le payer 4 000 km pour moi pendant 4 critères pour 400 millions de dollars parce qu'il dit qu'il y a 420 millions. Laisse ça nous tape bien 4 000 km. Mais même si l'usine nous est ministre, nous avons fait l'autre petit route, gros route ça, et il dit, il y a une réflexion que le café sur ça, et je suis bien content que lui parle de ça, lui enthousiaste, lui dit, lui parle, voyons une équipe pour venir superviser travaux de terrassement que travaux publics ont fait. Et moi, je connais travaux publics,
a fait des travaux de terrassement sérieux, avec le laboratoire national qui l'a, dans tout le travail qu'a fait pour tester, dans le campéré, moi qui misais, M. Béton, il a perdu plusieurs camions de béton que le laboratoire national a testé. Depuis, il a joué que de l'eau, un petit problème, pas même de ciment gravier, béton, il n'a pas quitté le mettre sur route là, c'est perdu ou perdu, il a jeté. Et c'est ça que fait dit monsieur tout, c'est prévention, nous pas qu'à perdre l'argent comme ça, nous perdons 3 ou 4 camions ministre, même quoi il résout le problème, non? Parce que qu'on y a laboratoire national une équipe lui même côté béton à brasser depuis dans camion pour composition bien fait pour la qualité de l'eau, parce que depuis de l'eau a un petit couleur, il estime que le gain était il a jeté béton. Alors je dis pour me dire nous on supervision dans l'état sérieux qui permettent que travaux que n'a pas région c'est des travail solide que y a. Même Jacques travail que n'gain pas faire dans Cassiel dans ville au caille caille magistrat Gabriel Fortuné qui est là ensemble avec nous que me connaît nous pral faire Cassiel là et ministre de a parlé nous a fait de drain d'équilibrage on sait de c'est ça où les silenio buse et ministre dit le besoin 200 qui pour permettre que nous préparer route là bien préparer pour l'asphalte l'arrivée pour jouer de côté pour nous capable mettre asphalte là. Et dernier point que nous avons discuté avec le commissaire européen, c'est sous affaire formation. Parce que, il ne faut pas oublier, nous avons 10 directions départementales qui vont le travail. Ils ont des équipements, mais ils ont des gens. Je dis, nous avons un problème dans le niveau ministère des travaux publics d'ingénieurs topographes. Parce que le système sophistiqué, équipement topographique moderne, qui marche par exemple parfois avec satellite, ancien topographe pas qu'à manier équipement ça. Commissaire européen offre nous jusqu'à 50 jeunes ingénieurs que nous avons allé à la formation 90 jours pour nous capables de gagner capacité et cap bon pour ni ministère agriculture, ni ministère travaux publics, ni ministère environnement. Je pense que trois ministères ça va le mettre ensemble pour nous à travers faculté des sciences, faculté d'agronomie, qui jeunes qui gagnent pour nous former. Et je commissaire européen a paré pour payer toute bagaille pour prendre en charge, pour former pendant 3 mois, et puis pour retourner dans chaque direction départementale pour nous gagner 2 techniciens, parce que moi-même, ministre, puis quoi, plus dans la déjà, nous avons 20 plus qui la douane pour ingénieurs topographiques. Parce que chaque direction départementale, n'a pas mis 2 brigades topographiques, parce que de vous parler de route, pas de route sans topographie. Avec dit, n'a pas 2 brigades par direction départementale, son gens. Loi 24-24 là pour l'appliquer, une brigade à travailler la journée, l'autre brigade à travailler le soir. Qui vous permet, faut travailler au public là, 24-24, sur tout le pays, pour nous sentir que chantier ouvert sur 10 départements pays. L'autre formation encore, c'est dans le domaine administration. Parce que nous connaissons direction départementale qu'on y a avec renforcement ça, la besoin des gens qui ont bonne formation dans l'administration. En termes de bonne gouvernance, bonne gestion de la chose publique. Ils offrent nous tout, non seulement directeur qui l'a eu, nous avons pris des formations, mais il y a des jeunes qui avec expérience moins que 5 ans, que nous avons envoyé, ils ont même tout, qui sont capables de prendre formation pour qu'on ait, en termes d'administration, nous avons des jeunes ingénieurs, jeunesse là, qui n'a pas quitté le pays. Je dis, nous commençons, même si nous commençons à faire concours, dans l'administration publique, là, c'est comme ça qu'on n'a pas cherché formation pour nous tous, qui va permettre pour nous vivre utile pays, qui va permettre dans le gros combat, la bataille qu'on a fait là, pour mettre tout pays en chantier, où il y a place tout. Et puis, 15 derniers jours, je prends un avion le matin, je descends à Paris, je sorti de Bruxelles, et je prends un avion à Paris, tant est bon, cette fois ici. Moi, je descends à Miami hier soir vers 5h30 et matin, je prends le premier vol 5h du matin. Moi, là, parce que mon gars Foujof a besoin de moi pour mal voter l'équipement ouvrier. Merci en plus. Nous remercions Mme la pression qui t'a fait déplacement pour participation. Yo, dans point de presse que le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, t'a fait
en Europe, déplacement ça que l'été fait en Europe, côté l'Italie en France, côté l'été rencontré le président de la République de France, M. Emmanuel Macron, côté l'été participé à One Planet Summit, qui sont sommet mondial et qui t'a parlé de financement pour régler définitivement les affaires changement climatique dans le monde, côté l'Italie tout. En Belgique, côté l'été rencontré des représentants des secteurs importants pour le gouvernement pays noir. Merci en pile, nous remercions tout responsable l'État qui t'a fait déplacement. À bientôt.